Coucou mes chéris, allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du direct pour cette 548e review de merde avec un jeu qui n'était pas merdique du tout, puisqu'il a été noté 9 sur 10 par le magazine officiel UK de PS2, donc sans aucun parti pris. C'est Mashed ou Mashid ou Mashed ou Mashed. Sur PS2 simplement 2, donc c'est Empire Interactive qui s'y colle, donc ça promet du bon. J'avais d'ailleurs fait un dossier de merde sur cet éditeur. Et il y a aussi Super Sonic, et avec le mag ADX, la Tuning Attitude, ça aussi. MCM, et je sais plus qui, SG Diffusion. Voilà, il est sorti en 2004, donc c'est la première fois que je joue à ce jeu. Renderware aussi, un moteur graphique je crois. Il y a eu Bourne, ils ont fait sur Burnout et aussi sur Happy Feet. Très très bon jeu Happy Feet, ils ont travaillé sur Happy Feet aussi. Le Dolby sur une écran cathodique stéréo, ça fait beau, ça marche beaucoup. Donc qu'est-ce que c'est, hein? Hop, on va zapper, c'est Start. C'est un jeu de course un peu foufou, si je pense que ça va être ça. Non, casse-toi. Centrer l'écran, non. On va de suite lancer le truc. Escarmouche, voilà, j'adore la traduction. Coucou, on va prendre la première. Ben moi j'ai pris parce que je l'ai eu 1€ complet, j'ai trouvé que le lettrage me faisait penser à je sais pas quoi, aux réglisses Haribo. Les anciens, ceux qui tournaient en rond là, qui faisaient une espèce de disque, ça m'a fait penser à ça. Derrière j'ai vu des bagnoles avec des explosions, je me suis dit ça va être une espèce de Driven to Destruction bis. Ou une espèce de Burnout, je sais pas trop quoi. Donc j'avais jamais entendu parler, peut-être qu'il va être sympa. Si c'est comme Driven to Destruction, c'est une bonne truc. Je sais pas du tout quels sont les boutons, on va découvrir ça. Oula, le ah putain, par contre ça, moi je suis la rouge là. Oh putain, là par contre, oh putain, le changement de caméra à la Little Big Planet, c'est vraiment pas évident. Alors il y a un effet putain, c'est, j'ai gagné. On a un effet, une espèce de jeu RC. Comment il s'appelle, Off-road. Et il y a, comment il s'appelle, ben, il y a Eterian Lions, ils avaient testé un jeu comme ça, je crois que c'est sur le Xbox Live Arcade. Et ben c'était moins bien que ça, parce que c'était des bagnoles qui ressemblaient à rien. Et là je trouve que c'est assez fluide le passage. Ouais, là le passage, le changement de caméra, c'est assez fluide. Par contre je m'attendais pas à un jeu comme ça. Là j'ai l'impression d'avoir des bagnoles téléguidées. Hop, allez, casse-toi. Peut-être c'est le premier qui sort l'écran en... Attends, je commence. Putain, là j'ai un mauvais départ. Qui sort de l'écran l'autre. Dès qu'on sort de l'écran, c'est fini. Donc je suis déçu parce que ce genre de jeu, c'est un gameplay finalement assez nerveux, mais assez arcade jusqu'à la meule. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de possibilités au niveau de... Moi, je voulais un jeu où on pouvait avoir... Où on pouvait faire exécuter des cascades, parce que c'est un petit peu ce qu'on veut nous faire croire sur la jaquette. On voit des voitures qui font des bonds en l'air, et en fait il n'y a pas de tremplin si c'est un jeu juste. En plus regarde le temps qu'il met le jeu à charger, alors que c'est un petit circuit, c'est deux voitures téléguidées. Ah, enfin on est quatre, même décor. Voilà le... Hein, c'est qui? Putain, oh là, d'accord, il y a une nana qui parle. Non, mais ça a l'air d'être le même système de jeu que le jeu qu'ils avaient testé, Eternia. Je sais même plus quel était le titre. Mais c'est ça, avec R on tire. Bon, au niveau des... Ah, mais c'est vraiment déroutant ce changement de caméra. Donc ça se joue autant au joystick qu'à la manette, mais vu que c'est assez fluide, il vaut mieux jouer le joystick. Et voilà, c'est le jeu, voilà, le problème c'est... D'accord. J'ai perdu.
Ouais, donc il n'y a pas de possibilité au niveau du. J'ai mal joué là. Niveau des caméras, des. Comment ça. Ah, là, j'ai pris un meilleur départ. Donc, moi, je suis la rouge, hein, il faut pas trop. Allez, pousse-toi! Là, il n'y a pas trop de. On n'a pas l'impression d'être dans la course. Hein, c'est. Moi, je pensais que c'était un jeu de course à la MotorStorm, un peu là. Gravity to Destruction. En même temps, ça nous change d'avoir ce mode de vue là. On a une espèce de jeu de téléguidé, voiture téléguidée vue de loin. Finalement, c'est sympa. Ça nous change un peu. Et merde. Le doublage était un petit peu bizarre. Bon, je crois que... Ils font un crétin, oui, ici, là, la nana. On dirait Ginette Tapinot. On dirait dans les feux de l'amour, quand ils veulent faire. Croire que les gens de la haute ils vont dans les quartiers populaires et ils vont dans un bar où comme par hasard la nana elle parle comme ça, donc c'est un petit peu caricatural là. On va refaire ça, hein. Il dit aïe ça fait mal, bon ça c'est sympa. C'est bon, je suis premier, vous voyez, je commence à. Je me fais canarder. Est-ce qu'il y a une jauge de je sais pas quoi. Je vois pas de barre de vie là. Bon, là je suis armé. C'est un jeu où je sais pas s'il y a vraiment des freins. Oula, il y a une mine. Je sais pas s'il y a des freins. J'ose pas trop appuyer sur tous les boutons parce qu'après. Bon, ça dérape. Et c'est assez cool ce changement de caméra finalement. Au bout d'un moment, j'ai gagné. Voilà, je t'ai niqué. Défi terminé. Alors le seul défaut pour le moment c'est le. Pourtant j'ai fini premier. C'est les temps de chargement qui sont beaucoup trop longs par rapport au contenu des courses quoi. Je vois pas ce que ça charge. C'est des petits circuits, ils font vraiment rikiki. Alors en attendant. Console Plus disait simple et efficace, machette à tout pour plaire la classe. Ils ont pas mis de note. C'est vrai qu'il est assez. Mais qu'est-ce qu'il dit l'autre? On dirait une voix de. Incroyable. Le changement de caméra, c'est bizarre. Hein. Des fois, on dirait que s'il prend en compte plutôt la bagnole bleue. Pour ça que des fois, je sais plus qui je conduis. Ouais, là, ça change. Hop. Il faut bien. Ah, j'ai gagné. Ouais, non, mais c'est vraiment le jeu. Je sais pas comment il devait s'appeler là. Le jeu qu'ils avaient testé. C'est un jeu de bagnole. Il y avait les mêmes trucs. C'est graphiquement, ça faisait pareil. Là, il... bizarre. Au niveau des voix, il y a plusieurs voix différentes. Mais il vient de dire, il n'y a pas froid aux yeux. On sait pas pourquoi. Une victoire à la Blue Jay. Qu'est-ce qu'il dit, le mec? Attendez. Option, j'ai juste changé le son. Ouais, les sons, parce que je voudrais entendre le. Voilà, les insultes à la con. Les. Ça, on va bien entendre les. Ça, ils ont les insultes qui s'envoient. Alors, c'est marrant parce que c'est jamais trop le. Vous voyez, le même changement de caméra. Le même les mêmes caméras selon comment on est positionné. On a une caméra. Et zut, putain, je l'avais torché. Vraiment spécial les insultes. Hein. Je sais pas quel est le type qui a fait ça. Enfoiré, t'as de la chance. On dirait Fire and Cloud quand il dit enfoiré. Oui, donc le truc sympa, c'est que. Mais à la fois déstabilisant. C'est que. Ouais, merde, la caméra. Chauffard, d'accord. Là, j'ai gagné. Ouais, la course, c'est assez nerveux, c'est pas trop pareil. Oui, donc, c'est le changement de caméra qui est pas du tout pareil, et du coup, ça déstabilise pour. Prends ça dans ta gueule. Essaye encore une fois, c'est drôle. Regarde ça. Bah, ouais, je t'ai passé devant qu'il est con. Et du coup pour appréhender pour anticiper les virages, c'est pas évident.
Parce que ça change à chaque fois et donc on... C'est bon, j'ai gagné. Bon ben je m'attendais pas à ça comme jeu, mais finalement c'est bien parce que sinon c'est vrai que quand j'ai beaucoup de jeux qui sont pareils, qui ont les mêmes moteurs graphiques et tout, là ça fait old school, c'est un espèce de off-road, merde, off-road nouvelle génération, bon même si c'est que sur PS2, simplement 2, au moins ça me change pour moi d'avoir d'autres... Encore un et je vais m'énerver. Abruti. Épouse-toi, allez. L'accent, on dirait Michel Hebb quand il fait le gorille, c'est un petit peu douteux là. Je suis inébranlable, espèce d'imbécile. J'ai gagné. Bon, il y a plusieurs manches, hein, après. Bon, la voiture se pilote assez bien. Voilà, là on a éliminé une autre. Bon, il y a des items, c'est assez nerveux. Ce qui me plaît bien, c'est ce changement de caméra. C'est assez fluide, hein, ça nous passe par-dessus, par-dessous. Ce qui veut dire te protéger à bloquer. Si tu rayes ma carrosserie, tu vas souffrir. J'adore le côté pas du tout crédible. Bloquer conduit aussi bien qu'Armstrong se débrouille avec sa trompette. Voilà, Armstrong avec sa trompette, j'adore ça. Ça, c'est le petit plus qu'il n'y avait pas dans le jeu qu'ils avaient testé, Terrenilien. Alors que c'était un jeu qui est sorti bien après. Lui, il a déjà tout. Et bien, bon, il y a interaction avec le décor. C'est un petit jeu sympa, ça. N'abandonne pas. Tes amis et tes voisins comptent sur toi. Ouais, les voisins, la famille, le quartier, tout le monde compte sur moi. Ils sont là, en plus. Oui, ce changement de caméra, on a l'impression que j'allais sortir de l'écran. Puis après, d'un coup, il y a eu un méga zoom, ce qui fait que des fois, on ne sait plus trop où notre voiture. Ah merde, j'ai pu... Alors R2, ça permet d'enlever en fait l'item. On dirait, ben non, j'ai pas envie d'avoir cet item parce que ça prend du poids, je vais trop lentement. Donc il faut démarrer au quatrième bip. Et du coup, ça nous annule l'item qu'on a choisi parce que c'est vrai qu'on va moins vite quand on a l'item. Et ouais, mais là, je peux pas tourner. Vous ne pourriez pas lâcher le vieux Blue Jay à un moment. Qu'est-ce qu'il dit? On pourrait pas lâcher. Bon, il y a quand même pas trop mal de phrases différentes. Allez, il va me passer devant à cause de l'autre imbécile. Ça, c'est bien cette idée que c'est dès qu'on est sorti de l'écran, comme ça, ça. C'est assez. Ouais, ça se change de caméra. C'est assez nerveux, c'est vraiment cool. Tous les pas moi ont perdu. Bon, petite caméra Lico, ça, nickel. Bon, après, faut voir si à la longue. Sur la durée, si le jeu a une grande. Durée de vie machin, mais ça si le jeu a joué bon, on va essayer ça, on va voir s'il y a un autre décor. Si le jeu vraiment pas ouais, vraiment, je préfère dire vraiment que franchement, parce que ils disent qu'il y a 10 modes de course solo. C'est un large arsenal d'armes pour l'instant, à part des mines et mitraillettes, hein. Sont là, c'est un jeu un petit peu. C'est tellement serré qu'on peut pas trop calculer, avoir trop d'items. Hein. Il faut qu'il y ait 2-3 trucs de base. Soit les trucs au sol, soit le tir. Mais bon, la seule déception, c'est qu'il n'y a pas de cascade, du coup, puisque c'est un jeu... Ah, c'est bien que quand on a l'impression d'être loin, c'est un peu comme l'effet... Voilà, j'ai gagné. Un peu aucun rapport, mais Donkey Kong Country Returns, quand on allait en arrière-plan... On voit notre personnage super loin, mais ça donnait de la profondeur. Enfin, je suis la rouge, moi, c'est ça, ouais. Ah, ce petit passage-là, c'est nickel, ça. Jésus. Je suis sur pause. Ça, on peut profiter de la musique. Juste voir ce que je préfère regarder, là, maintenant. Alors. On a le frein à main. Si on appuie sur X et carré, vous freinez, c'est carré ou rond. Ok. X, c'est accéléré, c'est ça. Tirer R1. L1, provocation. Tiens, on va essayer ça. L1. Une provocation. Ah non, provocation, c'est j'envoie une insulte. Loser. Ça, c'est l'hospitalité des Texans. Dégage de mon... Ah, c'est ça, c'est là, quand j'ai dit dégage de mon... Non, en fait, je sais pas trop quelle est ma voix, donc... Waouh, regardez-moi cette cascade, nickel.
Maccabée, qu'est-ce qu'il raconte? Et là, oui, c'est pas... C'est bien fait, ce mouvement de caméra. Et là, je leur tire dessus. Bon, il n'y a pas de lock. Ah oh, oui, il y a un lock quand même. Voilà, personne ne peut rien contre Red, c'est ça. Alors la voix du mec, j'ai gagné et j'explose en même temps, ça c'est beau. On veut pas que ce soit trop facile, hein. Je l'avais attrapé. Bah, vraiment un jeu sympa, je recommande à gens qui sont à deux, qui veulent jouer, se lancer des défis à la con, sur un petit jeu sympa, type arcade et rapide de prise en main. Bah, c'est Mashed sur PS2. Mais elle dérape un peu, mais pas trop. La prise en main est... On croit vraiment à un jeu de maintenant, quoi. Le next-gen, quand on a les mini-jeux à la con sur l'Xbox Live Arcade ou tout, qui coûte la peau des fesses, là, on a la même chose en mieux. Parce qu'on sent que là, la PS2 est au max. Là, c'est bien, il n'y a pas le droit à l'erreur. Dès qu'on a... On n'a qu'une seule vie, mais c'est bien comme c'est plusieurs manches qui s'enchaînent petit à petit. Ouais, là, une fois que le temps de chargement est passé... Je suis tout là-haut, là. Ouais, c'est bon. Plus 1, c'est ça. Est-ce que j'ai réussi à gagner la coupe? Parce que l'autre, je l'ai pas gagné. C'est vrai, ça dérape un peu, pas trop. Il y a une bonne... Moi, ça me plaît, ce gameplay-là. Plutôt la maniabilité, ça y est, j'ai gagné. Ah non. J'ai dû enchaîner plusieurs victoires d'affilée, ils ont dit je suis le roi, pourquoi ils m'ont mis là la couronne. Là, faut lâcher un petit peu. Ça fait mal, mais c'était rigolo. Bon, bah, je suis gagnant. On va se rendre au menu principal. Multijoueur, juste voir ce qu'il y a. Faire un jeu par équipe, c'est à dire deux joueurs avec une manette, mais on c'est bizarre ça ou quoi. Ben là, un joueur, ah non, deux joueurs partagent une manette. Et ben ça, c'est un défi pour les Terreniens par exemple, s'ils trouvent le jeu, je sais pas. Donc... ouais, mais bon, là c'est fait exprès. Remarque, c'est moins drôle puisque le but du jeu c'est de faire ça. Bonus, bon, ça sera pour une prochaine fois. Ben, encore une fois, c'est un jeu qui paye pas de mine et qui finalement est très sympa. Sur ce, ciao Pipito, pour une prochaine vidéo, à plus mes puces. Comment écrivez-vous ça ?